Hey toi, on dit quoi? Nouvelle vidéo capillaire, comme tu peux voir. Mais avant tout, rejoins-moi sur Instagram, j'y suis le plus souvent. On parle beauté, on parle luxe, on parle cheveux, on parle mode. Et bien sûr, je réponds à tous vos messages, donc rejoins ma famille Instagram. Come on baby. Aujourd'hui, mes cheveux sont bombes, mes cheveux pètent. Et c'est simplement parce que c'est une wig. Oui, ce que tu vois là, c'est une perruque. Ça ressemble à mes cheveux, mais c'est une perruque. Et ce n'est pas n'importe quelle perruque, c'est une perruque de la marque Wings by Her Given Hair. Comme tu sais, je collabore avec Her Given Hair depuis des années maintenant. Et en fait, dernièrement, ils ont lancé une deuxième marque, une sous-marque qui s'appelle Wings by Her Given Hair. C'est 100% humain, c'est de la qualité exactement comme les mèches Her Given Hair, mais c'est pas le même prix, c'est limite moitié prix, c'est beaucoup moins cher. J'ai reçu cette perruque en début de semaine et j'avais trop hâte de la poser parce que c'est exactement ce genre de perruque que j'aime, parce que voilà, je la mets et personne n'est au courant que c'est pas mes cheveux, parce que même toi, je suis sûre que tu pensais que c'était mes cheveux. Avoue, vas-y, avoue-le tout de suite, c'est mieux. Écris-moi en commentaire si toi aussi t'as cru que c'était mes cheveux. C'est vrai que c'est une marque qui propose des mèches de qualité, c'est 100% humain, et depuis que je reçois des mèches de chez eux, je n'ai eu aucun souci. Tous les produits qu'ils vendent sont dédiés aux cheveux frisés, bouclés, crépus. Ils proposent les textures 3B, 3C, 4A, 4B, 4C. Donc vraiment, t'as l'embarras du choix. Et ce qui est génial, c'est que cette sous-marque, elle est beaucoup moins chère que Her Given Hair. Parce que voilà, moi, à chaque fois que je fais une vidéo Her Given Hair, je reçois souvent des commentaires de personnes qui me disent: bon, Yasmine, c'est vraiment beau, moi, les mèches là me font de l'œil, mais c'est vrai que c'est un petit peu cher et tout. Et du coup, là, je suis trop contente de vous proposer une alternative beaucoup moins chère, de vous proposer, bah, des mèches de qualité, mais à prix réduit. Donc qu'est-ce que t'attends, ma copine? Go, je te mets toutes les informations en barre d'infos, n'hésite pas à les checker. Aujourd'hui, j'ai voulu tester une nouvelle coiffure, j'ai voulu faire un wet hair look pour vraiment voir la qualité des mèches et la définition aussi des boucles des mèches. Donc voilà, je vais te montrer tout ça, c'est parti. La perruque que j'ai reçue, c'est une lace wig. Et ce qui est génial avec cette marque, c'est que la perruque est déjà prête en fait. Ils l'ont déjà préparée, elle est déjà prête, il ne reste plus qu'à la poser. Comme à chaque fois que je reçois des mèches de chez eux, je lave. Donc je lave avec un co-wash, ensuite je rince, je brosse bien. Et après, je peux la poser. Quand tu commandes leurs mèches, tu reçois un espèce de manuel qui t'explique comment t'occuper des mèches pour les garder longtemps. Bref, on a posé la lace et du coup, voici les étapes. J'ai natté mes cheveux et ensuite, on a mis le bonnet. Donc le bonnet, on est venu le vaporiser avec du spray tint. Donc c'est un espèce de spray marron pour donner vraiment ma couleur de peau au bonnet et ensuite à la perruque. Donc le spray tint là que je te montre, on l'a vaporisé sur le bonnet et sur la perruque pour avoir une jolie teinte marron qui se rapproche de ma carnation. Et ensuite, on a posé la perruque sur le bonnet. Attends que je te montre d'un peu plus près la texture de ces mèches qui est juste incroyable et qui ressemble à mes cheveux. Si tu veux exactement la même perruque que moi, sache que c'est une lace front wig de 13 pouces avec une raie au milieu. La texture, c'est du 3C, 4A. Cette fois-ci, j'ai pris la perruque en couleur noire. Le noir, ça passe partout. Le noir, c'est la base. Ensuite, on a découpé la lace et on a fait mes baby hair. Là, je vais bien te montrer parce que, en fait, au moment où on a posé la perruque, je n'étais pas maquillée. Donc, ça matchait parfaitement. Vraiment, la perruque est trop bien posée. Et ensuite, j'ai été maquillée. Le truc, c'est qu'on peut voir, on peut constater une petite démarcation, mais c'est juste la lumière de la caméra lorsque je filme qui accentue ça, parce qu'en réalité, on ne voit absolument rien. On a l'impression que ce sont mes cheveux, aucune démarcation. Donc là, comme je t'ai dit, je partais pour un wet hair look. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai vaporisé les mèches d'eau. Vraiment, je les ai saturées d'eau. Ensuite, j'ai vaporisé du leave-in et j'ai fini avec du gel pour vraiment venir définir les boucles. Et puis voilà le résultat. Franchement, ça m'a pris 5 minutes. C'était hyper rapide et personnellement, je suis fan du résultat du wet hair look. On dirait vraiment mes cheveux. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que tu l'as appréciée. N'hésite pas à me dire en bas en commentaire ce que tu penses de cette nouvelle sous-marque de Her Given Hair, Wings by Her Given Hair. Je suis trop contente que Her Given Hair ait lancé cette sous-marque qui permet en fait à tout le monde de trouver des mèches de qualité à prix réduit. Donc j'espère que tu iras faire un tour, que tu iras voir. Non mais je vais commander d'autres mèches. Hein. J'ai vu une perruque là avec une frange noire. Il me la faut.
Voilà, donc c'est une affaire à suivre. Et surtout, n'oublie pas de me dire ce que tu penses de mon wet hair look. Je te fais de gros bisous, je te dis à très vite. Mouah.